Donc voilà. Et ça dure pas à vie. Mais en général, ils te remettent une couche. Mais si. Alors, il y en a, ils sont en plein dedans. D'autres, ben non, ils n'en veulent pas maintenant. Mais le jour où, ah ben vous verrez. Par exemple, ils demanderont même à leur mère, maman, tu n'avais pas des problèmes, toi, de procréation? Les mecs aussi. Bon, après, c'est pas. Je sais pas si c'est héréditaire, hein, c'est-à-dire qu'il y a des nanas, vas-y, c'est des poules pondeuses. Hein. C'est pas forcément que. Voilà. Hein. Mais. Bon, voilà. Moi, écoutez. Et que pour les nanas et les mecs, par exemple, qui, par exemple, feront des examens, autant le mec que la nana, et qu'on va vous dire, non, les machines, elles marchent bien. Ah ben, on vous a fait des rituels. Et que là, ben, il y en a, ils le vivent. Et on vous a fait des rituels. D'autres, pour le moment, vous en voulez pas. Ah, parce qu'il y en a qui se disent, non, mais moi, franchement, j'ai 18 ans, j'ai 19 ans, je vais encore à l'école. Je suis encore chez mes parents. Et évidemment, je l'avais dit. Mais vous savez, les gens, hein, ils comprennent ce qu'ils veulent, là. Hein. Bon. Mais le jour, putain, il y en a où vous aurez l'envie qui viendra. La stabilité pour avoir un enfant, vous ne pourrez pas. Des nanas et des mecs. Alors attention, je le répète. Vous savez combien on est en population en France? Mais il y en a, ils sont concernés déjà. Et il y en a, ils le seront plus tard. Alors, vous savez, les négatifs. Ah non, mais moi, je veux pas d'enfant maintenant. Mais c'est pas pour tout le monde. Hein. Mais, oui, le jour où tu vas en vouloir, eh ben, il y a des mecs et des nanas, vous serez concernés par ça. Mais si. Alors, vous allez me dire, mais putain, qui m'en veut à ce point-là? Ben, des fois, c'est de la famille, je ne sais pas. Des fois, ça peut être un ex-copain, une ex-copine, oh là là. Chérie, copain, oui, un ancien copain à toi, un amour, homme, femme, ça peut être, oh, putain, mais si vous saviez tout ce que ça peut être. Et vous savez que moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me dise, ah non, mignon, mais des fois, des années après, on est revenu me dire, ah si, vous aviez raison. Et là, ben, par exemple, sur certaines prédictions que j'ai pu faire il y a des années en arrière, il y en a qui commencent à se poser des questions et ils vont revenir en me disant, mais au fait, vous aviez raison.